vendredi. Vendredi 26 novembre. Et nous allons faire dans le magie, on va faire Ariel. Alors on a besoin de rouge. Pas trop que je la rate celle-là, parce que celle-là c'est la seule que j'ai qui est bien, que j'ai trouvée. Alors j'espère que vous allez bien, que vous faites du coloriage du UDP ou autre. Derrière, je ferai tout en bleu, je pense, ou en jaune, on verra ce que ça va donner. Donc voilà. Alors la robe de Ariel, faut que je regarde juste. Quelle couleur elle est sa robe? Elle est en bleu. Donc on va prendre du bleu assez foncé. Bleu clair. On va prendre plutôt ça ou un autre. Attendez. Je vais prendre le bleu plus clair. Ouais, on va prendre plutôt ça pour sa robe. Hein, parce qu'elle est assez foncée, assez claire. Ça fait ici. On prend un jaune pour les petits, comment dire, coquillages. Derrière, je ferai bien un jaune parce que je trouve que le jaune, ça ira vrai. Ça va lui ravir un peu. Donc ça fait ça, je sais pas si vous voyez assez. Enfin, c'est bon. Hop. Alors voilà. Ça c'est bon. Après on va prendre du beige ici. Hop. Alors jaune pour les petits coquillages. Je
coquillage en jaune. Alors là, par contre, je vais essayer de le faire en jaune. On va essayer un jaune aquarella, mais un jaune l'autre que j'ai acheté. Hop, on voit ce que ça donne, si ça fait plus brillant que l'autre ou pas. Alors, parce que j'ai beaucoup de jaune, alors on va prendre juste le jaune. Le jaune marron là pour faire juste le tour. Alors, ici. J'ai cherché juste, je dois en avoir un, je pense, je vais regarder, l'encre beige. Je prends juste le beige sur les mains là. Je vais chercher juste le jaune pour faire tout le tour ici, puisque je pense qu'on n'aura pas assez de bleu. J'aurais pas assez de jaune, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Faire tout le tour, on va bien voir ce que ça donne. Je suis encore là. Merci. Hop. Petite flaque. Alors, petit jaune ici pour les petites étoiles. Ça va aller vite. Je vais chercher juste ce qu'il me faut au niveau du jaune et je reviens. C'est juste ce qu'il me faut. Alors, je prends ma gomme ici que j'ai pas envie de sortir. Hop là. Alors le truc rouge, je reviens. Je vais juste chercher le jaune, je reviens. On va prendre ça, je sais pas si vous voyez, c'est. On va faire tout le tour derrière en jaune. Ça va faire super beau, vous allez voir. Il va être aquarellé. Après, ça va faire magnifique, j'espère. Après, on va aquareller automatiquement. Hein. Quand on aura terminé. Hop, on va essayer d'aquareller après à la fin. Vous allez voir. Déjà magnifique même à la vue, ça a vu l'œil. Hop. Donc ça fait ça, je peux se voir assis. Ouais, il est magnifique comme ça. Donc maintenant on va aquareller. On va voir ce que ça donne en aquarellement. Avec ces crayons-ci, bien sûr. Je vais vous l'essayer, on va voir.
aussi plus efficace que les autres. Alors, on va prendre ça. On va prendre le doigt un peu plus parce que sinon. Oh, oh, ça donne. Oh, que ça donne mieux. Oh, oh, dis donc. C'est vachement mieux que les autres. Hein. Oh la vache. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah 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 oui, oui, oui. Ah ah oui, oui. Ça fait ça. Vous voyez beaucoup mieux. Hein. Je vais faire par rapport à ça, vous voyez la différence. Alors, donc ici on a fait tout le tour presque ici. Après on va faire le bleu, vous inquiétez pas. On fait tout d'abord tout ce qui est jaune, couleur claire. Et après, on va faire le bleu. Bleu et rouge parce que du coup. Ah ouais, ça donne magnifiquement bien. C'est vrai que ça donne magnifique hein, quand même. Hein. Ça donne très très beau. Oh, c'est magnifique. Ah bah je crois que la fois prochaine, la fois où je recolorierai, c'est vrai que les brushes dureurs, ils sont vachement bien quand même. Ils se prennent hyper bien au pinceau et franchement j'adore. J'ai voulu essayer, hein, juste pour voir ce que ça donnait. Mais franchement, ouais, c'est... carrément pas la même chose par rapport aux autres. Ah ouais ouais ouais. Là, le jaune c'est bon, voyez un peu, oh, ça donne trop trop beau. Le rendu est magnifique. On va faire le rouge maintenant. Hop, hein, des cheveux. Le rendu est magnifique, hein, ça aquarelle super bien. C'est je prêche dureur. Oh là là. Ok, donc on va prendre le beige. Ici, on va essayer de pas trop appuyer dessus. Parce que sinon ça va pas faire très beau. J'ai le cas. Hop. Hop. Le vert. Rouge. Hop, beige, comme ça fait ça, je peux soyez assez. Là, on va faire le bleu, le dernier bleu de la robe d'Ariel. Voilà, le dernier bleu. Et après, on va faire les mains aussi, si on oublie les mains d'Ariel, c'est pas grave. On va faire en dernier. Hop. On va faire encore un peu. Par contre, c'est très bien, c'est que c'est déjà sec, vite fait sec. Donc voilà, alors ça c'est bon, on va faire juste les petites mains, n'oubliez, et ça va être bon.
Donc voilà les gens, donc voilà le dessin, je vous montre. Donc voilà le dessin, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire sur la vidéo et n'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne. Salut les gens!